piste aujourd'hui avec Kira, chienne de l'une de mes instructrices. Elle piste depuis environ un an. Elle passe aujourd'hui le niveau 1 forêt. C'est une piste qui doit être au minimum de 450 mètres. Là, celle-ci fait 550 avec 30 minutes de pause minimum. C'est une piste en double aveugle, donc on ne connaît absolument pas le tracé. Il n'y a que la victime qui connaît son propre tracé. C'est une piste qui nécessite des prises de décision. Là, on voit donc Kira qui change, qui part sur la gauche, parce que le traceur a fait un changement de direction. Vous allez voir un changement dans les postures de Kira. Juste avant, il y avait beaucoup de fougères, donc l'odeur stagnait énormément au niveau des fougères, donc il y avait beaucoup de sources productives. Et on arrive sur un espace assez ouvert, et donc du coup, elle doit rechercher les odeurs au sol. Elle est moins aidée, et on voit un petit peu que ses postures sont un tout petit peu différentes. Là, nous arrivons sur un chemin, donc intersection, donc il est toujours très très important de ne pas aller trop vite. Il y a sûrement plus de pollution, plus de passages à cet endroit-là, donc ça va lui demander un peu plus d'effort de retrouver l'odeur. Bon, c'est simple parce que c'est en forêt, pour Kira, c'est pas compliqué, mais toujours faire très attention quand on arrive sur des chemins, puisqu'ils sont forcément plus pollués qu'à l'intérieur de la forêt. On voit Kira qui s'arrête, elle a besoin de réfléchir, il est important de s'arrêter si le chien s'arrête. Il a besoin de réfléchir, on va voir qu'elle va avoir une alerte de proximité,
La distance par rapport au traceur est assez éloignée, mais le vent lui ramène les odeurs du traceur. Donc vous voyez qu'elle est en alerte de proximité, elle a les postures hautes, un peu plus énergique. Et là, elle va reprendre la piste. Quand Kira piste et qu'elle est assez sûre d'elle et qu'elle est sur le bon tracé, vous allez voir sa queue est quand même assez haute, ses épaules basses vers l'avant et la tête basse puisque c'est une chienne qui piste au sol. Les postures des chiens sont très importantes, l'instructeur doit vous apprendre à lire votre chien. Vous allez regarder attentivement les postures de Kira, vous allez voir qu'elle va lever la tête, coller ses oreilles en arrière, remuer un peu plus du popotin, sa queue va balancer un peu plus, elle va avoir un tout petit peu plus d'énergie au niveau de la traction. La victime est juste derrière l'arbre, donc c'est son alerte de proximité à Kira.